Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Ça me fait tellement plaisir de te retrouver en plein dans l'énergie du mois de juin. Donc, je ne sais pas si tu as regardé mon message des énergies de juin que j'ai publié la semaine passée. Si ce n'est pas le cas, je t'invite vraiment à aller voir ça parce que c'est de la belle grande énergie et on aime ça, les bonnes nouvelles, quand ça arrive, hein? On prend les choses une à la fois. Mais quand ça arrive, qu'on a quelque chose de positif qui nous tombe dessus, on s'engage à le recevoir. Ceci étant dit, belle âme lumineuse, quand j'ai fait le message des énergies de juin, j'ai vraiment senti quelque chose de très fort au niveau du chakra de la gorge. Là, je me suis dit, pourquoi pas se faire une petite guidance d'activation? Donc, cheminer une carte à la fois pour libérer une couche de notre chakra de la gorge, libérer, tu sais, passer un petit balai, là, un peu comme si on passe le balai sur le balcon avant de s'installer avec nos invités, profiter du beau temps. Même chose, on passe le balai au niveau du chakra de la gorge, ne serait-ce que par précaution. On me dit de dire c'est par précaution, parce que ce mois-ci, tu es vraiment appelé à t'élever et t'exprimer dans ta vérité. Donc, l'univers veut te donner un petit coup de pouce à travers moi, à travers les cartes, à travers la guidance. Donc, ce qu'on va faire, je ne sais pas si tu as déjà vécu une activation énergétique avec moi en tirage, on va juste prendre le temps de se recentrer ici maintenant, se poser et juste respirer, revenir dans l'ici maintenant, sentir notre présence là où on est, appeler l'énergie de notre mot phare et déposer l'intention que peu importe ce qui entrave notre chakra de la gorge, à travers les mots, à travers l'énergie qui va circuler aujourd'hui, ça va se libérer. Ce qui est prêt à être libéré va se libérer pour notre plus grand bien, afin qu'on puisse s'exprimer avec le plus de clarté, d'amour et de bienveillance pour notre plus grand bien, mais aussi le plus grand bien de tous. Inspire profondément. Et on part, on fait ça ensemble donc. On va commencer avec Sacred Creator Oracle. J'ai vraiment senti cette énergie-là très, très forte. Donc, ça se peut qu'en ce moment, tu sentes des petits picotements, un petit. Ça se peut que ton chakra de la gorge travaille plus fort. Ça se peut qu'il y ait des résistances dans cet espace-là. Donc, fais juste en être consciente. N'hésite pas à boire beaucoup d'eau au besoin. Avec quoi on part pour libérer notre chakra de la gorge pour s'exprimer encore plus dans notre vérité. Nourish the sacred feminine. Nourrir le féminin sacré. Je suis qui je suis. Je suis valide, je suis puissante, je suis magique. Prends le temps d'infuser ça dans chacune de tes cellules, belle âme. Et on voit, hein, il y a quand même du bleu, du mauve. Donc, on est vraiment au niveau du chakra de la gorge, qui est le chakra bleu. Et on s'élève. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se place dans. Puis on me dit, c'est au niveau des croyances. Je suis valide, je suis puissante, je suis magique. Et je t'invite à le dire à voix haute avec moi. Je suis valide, je suis puissante, je suis magique. Fais vibrer tes cordes vocales. Je suis valide, je suis puissante, je suis magique. C'est une affirmation de positionnement. Tu n'as pas besoin de rien faire de plus. Tu es déjà valide, puissante et magique et digne de t'exprimer dans ta vérité. Qu'importe ce que les gens ont pu dire au cours de ta vie, qu'importe les croyances que tu as pu acheter, ici maintenant, on te ramène dans ton énergie féminine qui est beaucoup plus une énergie d'être. De recevoir la guidance divine qui vient vers toi, les messages, et d'oser exprimer ce qui a besoin de s'exprimer pour ton plus grand bien et le plus grand bien de tous. Ce n'était pas prévu, mais comme je parle d'être, le jeu Être, magnifique jeu, création québécoise, je t'invite vraiment à chercher ce jeu-là, belle âme lumineuse. Un petit jeu, super le fun en plus à traîner avec nous, mais il ne va pas nous détourner, il va plutôt nous aider à continuer cette activation énergétique, ce petit libérage. Libérage, libération. Mon Dieu, je ne sais plus parler. Chakra de la gorge travaille fort. Non, les cartes s'en vont. On va se ramener. Qu'est-ce qui se passe, belle âme lumineuse? On se recentre. On accueille. Il y a de la petite résistance, je le sens dans l'énergie.
La petite peur de s'exprimer dans sa vérité. Ici, on ne me croyait pas. Ici, on m'invalidait. Ce que je sens, c'est que tu as souvent été invalidé dans ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire être invalidé, belle âme lumineuse? Ça veut dire que toi, tu t'exprimes dans ta vérité et que la personne en avant de toi te dit non, c'est pas ça. Pourtant, ton ressenti est vrai. Qu'importe notre ressenti, il est toujours vrai dans le moment présent. C'est pas à l'autre de décider si notre ressenti est vrai ou pas. J'adore. C'est une belle confirmation divine. Processus de guérison. Je suis valide, je suis puissante, je suis magique et je suis en processus de guérison. Donc, on n'est pas dans l'attente que du jour au lendemain, comme ça, le chakra de la gorge soit libéré. C'est un processus et ça passe vraiment comme ça, du côté gauche au côté droit. Prends le temps de ressentir. C'est comme une caresse du vent, une douceur qui s'installe à l'intérieur de toi. Le processus est enclenché. Est-ce que je vais là-dedans? Oh, j'ai besoin de cartes de guérison. J'avais mis plein de jeux de cartes de côté, mais l'univers me dit non, c'est pas ça. Énergie de guérison. Histoire d'amplifier ça. L'univers ne part pas de temps. Troisième carte, on est déjà en train d'apporter de l'apaisement, de la guérison. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? Il y a deux cartes qui sont sorties et je vais les prendre les deux. C'est une guérison en deux doses. On va prendre notre première dose qui est une nouvelle ouverture. Une nouvelle ouverture, ouverture du chakra de la gorge. J'ai confiance. Si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. Donc, si quelqu'un n'est pas capable de me recevoir dans ma vérité, ça ne veut pas dire que je ne suis pas valide, puissante et magique. Il y aura quelque part quelqu'un qui va comprendre que mon ressenti est valide. J'accepte que la vie met sur mon chemin une nouvelle opportunité. Attends, on recommence. Chakra de la gorge, hein? J'accepte que la vie met sur mon chemin. Ah, mon Dieu, j'ai bien de la misère. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin. Et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. Mais est-ce que tu vois comment il y a du blocage? Je vais te le relire. J'ai confiance si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. J'ai vraiment eu l'impression, l'image que j'ai eue, c'est quand on était jeune puis qu'on avait des antibiotiques à prendre puis qu'on faisait la grimace, ça bloquait. Donc, c'est comme si on résistait à l'ouverture qui est en train de se créer. Mais ce que je vois, oui, ça passe comme ça, mais c'est comme un entonnoir, puis ça s'ouvre comme ça. Ça fait. J'accroche mon micro depuis tantôt, tu vois, là, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'expression de soi. Ah! Il y a vraiment. Ah! Ah! Tu peux vraiment. Essaie-le, encore une fois. Ressens-le, reconnais-toi toi-même dans cette vibration-là qui est valide, puissante et magique. Et la deuxième dose, notre deuxième dose magique, tout se place. Donc, on s'ouvre et tout se place. J'ai confiance en la vie car je sais que tout arrive à point quand mon âme est prête. Je me concentre sur le beau en moi et je retrouve le silence. C'est quand même intéressant d'avoir le silence quand on parle du chakra de la gorge. Je vis pleinement le moment présent en agissant sur ce que je peux faire maintenant et je confie à Dieu les choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle. Je suis moi, juste moi, toute moi, valide, puissante, magique. J'ai pas besoin d'expliquer, surexpliquer. Oh, ça se peut, belle âme lumineuse, que tu aies tendance à expliquer, surexpliquer. C'est pas ça. C'est pas ça qui se passe en ce moment. Laisse aller. Ouvre. Donc, on va aller dans Activation of Gateway of Light Activation. Ou Activation of Light. Pourquoi je l'ai dit? Activation de lumière. On va aller chercher. Ce qui va activer notre chakra de la gorge. Hein? On est déjà presque à la moitié. On est pas mal à la moitié de ce tirage-là. Donc, je suis prête à recevoir l'activation. Et c'est le cas de le dire. Hein? Demandez, vous recevrez. Sword of Light. Épée de lumière. Protection divine. On coupe les liens. Une énergie de grande prise de conscience. Sword of Light. Et là, je ne peux pas. Je ne peux pas. Belle âme lumineuse, ne pas aller dans le jeu Sword of Light. Ça va avec, ça l'appelle. On voit l'énergie qui est pareille.
Tu es divinement protégée, belle âme lumineuse. Ici, maintenant, on demande à l'énergie divine, puis on va vraiment appeler l'archange Michael. De toute façon, c'est lui qui va nous donner la prochaine carte. L'archange Michael de venir couper tous les liens qui ont implanté des croyances qui font en sorte qu'on ne peut pas s'exprimer dans notre vérité, dans qui on est, dans nos ressentis. Hein? C'est très simple, là. Tu peux repenser à la petite version de toi, toi enfant, qui avait peur, puis on disait, ben non, tu n'as pas raison d'avoir peur. Arrête donc de pleurer. Pas raison de pleurer. C'est toutes des façons de s'invalider alors que tu essaies de t'exprimer dans ta vérité. Michael ne vient pas couper les liens d'amour, il vient couper les liens toxiques. Donc, tout ce que tu as cru, ben non, on en fait des choses au niveau du chakra de la gorge présentement, là. Donc, tous ces liens-là sont en train de s'enlever. Et bien sûr, parce qu'on coupe des liens ici, il y a des petits trous qui se créent, mais on va les remplir de lumière avec le Sword of Light Oracle. Je te dis, l'univers me guide complètement. Je n'avais pas prévu prendre tous ces jeux-là. Mais il n'y a pas de hasard, belle âme. Juste la magie de ce qui est prévu, de ce que tu es prévu, de ce qui est prévu de t'entendre. Il y a vraiment quelque chose avec le chakra de la gorge, l'expression aujourd'hui. On met de la lumière. Et regarde toute la lumière. All is in perfect timing. Tout est parfait du point de vue du timing divin. Ça y est, il est temps de prendre action maintenant. Je serai ici pour t'aider à chaque pas que tu feras sur ton chemin. Donc, ici maintenant, la lumière vient remplir ton chakra de la gorge. On se laisse remplir tout simplement par la lumière. Tout est là, tout est en train de se faire. Ce que tu comprends, tu le comprends. Ce que tu ne comprends pas, tu n'as pas besoin de le comprendre. C'est en train de se faire. L'archange Michael est avec nous. Il nous amène. C'est comme s'il nous prenait la main puis nous amenait sur le chemin. Puis on me dit, c'est pour faire trois petits pas de plus. Donc, allons-y pour trois petits pas de plus. Dans quoi je fais les trois petits pas de plus? L'oracle des sept énergies. Ça me dit trois petits pas de plus. Donc, est-ce qu'on prend trois cartes dans ce jeu-là? Oui. Trois petits pas. Un, deux, et le troisième, et non le moindre. Ça va nous raconter une histoire, les prochaines petites étapes, les énergies qui vont nous accompagner à partir de cette libération, la lumière qui est entrée dans notre chakra de la gorge. Feeling the world, étape 1. Te ressentir comment tu es différente dans le monde à partir de maintenant. En étant toi, juste toi, toute toi, valide, puissante et magique. Valide de tes ressentis. Puissante dans la reconnaissance de ceux-ci et magique dans ton expression. Deuxième petit pas. Oracle Gift, et regarde comment on a des cartes bleues, chakra de la gorge. Excuse-le, moi je bouge beaucoup. Chakra de la gorge. Oracle Gift. Un, il n'y a pas d'urgence. Tu peux prendre le temps de prendre une petite gorgée de thé. Honorer ton chakra de la gorge, hein? Quand on boit, entre autres. On sent le liquide. L'eau nettoie. On apaise. Ce don-là que tu as, le don de l'expression de toi. Donc, on se ressent dans le monde valide, puissant et magique. Et on est appelé à s'exprimer, mais il n'y a pas d'urgence. Cette carte-là n'appelle pas d'urgence. Ça se fait au fur et à mesure. Souvent, on pense trop. Belle âme, on te dit, la saine expression de toi, la douce expression de toi va se faire en son temps. Timing divin, tu es accompagné. L'archange Michael est avec toi. Et troisième petit pas. The Rose's Kiss. Et si tu me suis depuis longtemps, tu sais très bien que cette carte-là, elle est associée au chakra du cœur. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du chakra du cœur pour amener cette expansion-là et permettre à ton chakra de la gorge de s'exprimer encore plus. Donc, aujourd'hui, j'accepte que mon chakra du cœur soit au service. Ah oui, OK. Aujourd'hui, j'accepte que mon chakra du cœur soit au service de mon chakra de la gorge, au service de sa libération, au service
de sa guérison, au service de l'apaisement. L'expression du cœur, c'est l'expression de l'âme. Vas-y, belle âme. Donc, à partir de là, parce qu'on a parlé du cœur, message du cœur. J'espère que ça te fait du bien, belle âme. Moi, ça me fait du bien. Il y a comme une validation. On me dit qu'il y a une validation qui s'installe présentement. Soutenue, donc, le chakra de la gorge qui est soutenu par le chakra du cœur, sur lequel on a beaucoup travaillé depuis le début de l'année. Les cartes viennent de toutes tomber par terre. On gérera ça après. Tout ce que j'aimais, j'en récolte les échos, tel un sourire. Tu sais, quand on sourit à quelqu'un, souvent, on va se faire sourire en retour. Ton cœur te dit, exprime-toi à partir de moi, à partir de du cœur, à partir de l'âme. Et tu vas voir, ça va te revenir. Et moi, j'en dis ça, ça va te revenir multiplié. Et c'est pour ça que tu dois aussi ouvrir ton cœur à recevoir les échos de cette nouvelle expression-là de toi. Divine Abondance, Oracle. Un gros tirage, une grosse activation. Mais en même temps, je la sens tellement tout en douceur, très positionnée. Tu étais prête à recevoir ces mots, belle âme. Recevoir ces mots, recevoir les échos de l'expression de soi. Individualité. Chaque personne a sa propre identité, ses propres expériences. Pour recevoir belle âme lumineuse, il faut que tu comprennes que l'autre devant toi a sa propre expérience, qui n'est peut-être pas nécessairement la même que toi. Donc, si cette personne-là, si tu te sens invalidée, évidemment, prends soin de la partie de toi qui se sent invalidée, mais comprends que l'autre personne ne parle jamais contre toi. Elle parle à travers ses propres filtres, à travers... Donc, ce n'est pas juste nous qui sommes appelés à nous exprimer, belle âme, l'autre aussi, mais ça se peut que l'autre s'exprime à travers ses filtres. Donc, amour, compassion, bienveillance, autant pour l'autre que pour toi. C'est super important parce qu'on est tous différents. Donc, honore qui tu es, honore où tu es rendu dans ton chemin, en étant valide, puissante, magique, en étant toi, juste toi, toute toi. Ton chakra de la gorge va s'en porter que mieux. Donc, vraiment, on émet l'intention de s'exprimer à partir du cœur et non à partir du mental. À partir du cœur, la vérité profonde. Et je vais terminer. Je voulais ramener ça dans la matière. Donc, j'ai deux jeux. Je suis à ma place. Parce que c'est bien beau travailler au niveau énergétique. Mais encore, faut-il retourner faire du pâté chinois après? Les enfants vont avoir faim. La vie continue, c'est ce que je veux dire à travers ça. Donc, c'est la carte « Je syntonise ». Et dans ce jeu-là, syntoniser, bien, syntoniser, ça veut toujours dire ça, c'est un peu comme syntoniser un poste de radio. Donc, on arrive dessus. Donc, c'est comme si on syntonisait la fréquence de notre cœur pour ramener au niveau du chakra de la gorge. Donc, au niveau du chakra de la gorge, déjà, on est en train de se syntoniser pour permettre aux ondes du cœur de se rendre. Je vis le moment présent, car c'est ici maintenant que je peux syntoniser. Donc, tu ne peux pas syntoniser en t'accrochant au passé, tu ne peux pas syntoniser en appréhendant le futur. Ici, maintenant, je choisis en conscience de syntoniser la fréquence du cœur. Je m'ouvre pleinement à être présent dans mon ressenti, dans mon corps, dans mon environnement, dans ma vie. Donc, on nous ramène doucement dans notre corps. Tu peux vraiment prendre le temps de ressentir ton corps, ressentir l'énergie, revenir dans chacune de tes cellules, donc du plus grand à l'intérieur de toi. Le travail énergétique qu'il y avait à se faire, c'est fait. Et on va terminer avec l'oracle du pouvoir personnel. On va aller chercher l'ingrédient magique pour te retourner dans ta vie, dans tes occupations, parce que c'est un moment très puissant qu'on vient de vivre. Je suis célébrée! Félicitations, belle âme! De traverser cette activation énergétique, sois heureuse, contente. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu n'as pas besoin de tout savoir. Ce que tu as compris, ce que tu as réalisé, ce qui te fait vibrer, je t'invite à me le partager en commentaire. Et tout le reste, fais confiance que le plus grand que toi travaille pour toi. Ce qu'on sait, c'est qu'on en a besoin pour continuer. Ce qu'on ne sait pas, on fait confiance que c'est en train de nous traverser. Tu viens de participer à une grande activation énergétique, non seulement toi avec toi-même devant ton écran,
mais avec toutes les belles âmes lumineuses qui vont avoir regardé cette vidéo avec moi. On fait ça ensemble, on s'exprime à partir du cœur, on se célèbre qui on est, valide, puissante et magique, sans chercher à être plus. De toute façon, l'évolution va se faire. Ce que tu es aujourd'hui, c'est pas ce que tu vas être dans un mois, dans 6 mois, dans un an. Donc, autant célébrer ce que tu es aujourd'hui, parce que sinon, tu es comme un âne qui court pour attraper la carotte et tu n'arrives jamais à cette fameuse nouvelle version de toi. Tu te renouvelles chaque jour dans le moment présent en étant toi, juste toi, toute toi, belle âme. Ose t'exprimer dans ta vérité. Fais preuve de compassion envers toi, envers l'autre. Et moi, je te retrouve bientôt pour une nouvelle guidance.